Bonjour à tous et à toutes, c'est Frigiel, j'espère que vous allez bien. Depuis mes débuts sur Overwatch, je n'ai fait que progresser dans ce jeu. J'avais débuté à l'époque en arrivant du coup platine, comme la plupart des joueurs, et petit à petit, j'ai monté de rang en atteignant le rang diamant, puis finalement le rang master. C'est un rang que je maîtrise depuis plusieurs saisons déjà, la saison 6 j'étais master, la saison 7 à nouveau, et pour la saison actuelle, je suis actuellement au plus haut de ma cote, j'ai jamais atteint une cote aussi haute, de 3744, donc je m'en sors assez bien, et j'ai eu le plaisir du coup de découvrir les Game Master et Grand Master, je commence à jouer avec des Grand Master, mais en revanche, il y a un autre univers dans Overwatch que je n'ai encore jamais découvert, c'est celui des rangs en dessous de platine. Et aujourd'hui, les amis, nous allons faire l'expérience de jouer sur un compte classé bronze. Et le voici, les amis, le rang bronze qui s'offre à nous, 900 de cote sur ce compte-ci. Vous l'aurez bien sûr deviné, ce n'est pas mon compte d'ailleurs, et je ne jouerai dessus uniquement que dans le cadre de cette vidéo. Et je vous cache pas que j'ai un petit peu hâte de savoir ce que ça va donner en jeu, on est donc parti. Hop, je m'inscris, direction notre toute première game sur le rang bronze. Alors, pour étudier comme il se doit la game qui va avoir lieu, je mais bien sûr, mes lunettes de chercheur, voilà, on va pouvoir analyser la partie qui va avoir lieu sous nos yeux. Bon, je vous avoue que j'y vois pas grand-chose avec, mais on va quand même tenter, écouter, pour le coup. Alors, nous sommes en défense sur Anubis. Écoutez, on va les laisser choisir un petit peu les héros, on va voir un peu ce qui se passe, on va essayer de compléter au mieux cette équipe. Alors, ça part sur du Bastion, déjà, ça s'annonce bien, cette game. Allez, on part sur un choix stratégique, notre bonne vieille Mei. Ça fait longtemps que je l'ai pas joué sur cette carte-là, mais c'était un de mes coups de cœur au tout début du jeu. J'aimais beaucoup la jouer à l'époque, justement, quand les games étaient moins intenses et qu'on pouvait se permettre un peu plus de liberté. Allez, on est parti, la partie commence. Ils sont juste à côté, alors il y a le Bastion pour l'instant qui est tout seul, hein, c'est n'importe quoi. Il a pas du tout de shield ou quoi pour le défendre. Et voici notre première victime. Bonjour. Ok, on l'a plutôt bien géré, j'ai l'impression. La deuxième victime qui approche. Oh là là, ils rentrent tous un par un dans le tunnel. Pour l'instant, vous m'aurez dit que mon équipe est bronze. C'est vrai que je l'aurais pas forcément vu. En face, par contre, on voit en effet quelques petites erreurs de placement de sa part de ses DPS qui foncent dans le tas, on sait pas trop pourquoi. Et les autres joueurs, on sait pas où ils sont en fait, hein. Ils sont je sais même pas s'ils sont sortis de leur spawn en fait. Ah, mais je pense avoir trouvé pourquoi l'équipe d'en face a du mal à avancer. J'ai comme l'impression qu'ils ont oublié de choisir un soigneur dans leur composition. Visiblement, sa bataille dure, on a du mal à s'en sortir. Ok, ok. Ok. Je vous avoue qu'avec les lunettes sur la tête, j'ai grave du mal à viser. Oh mon dieu, quel enfer. C'est bon, c'est bon. Tout va bien. Oh, on est en train de me tirer dessus. Il faut défendre le point. La fatale. Oh. Ok, on est bien. Il y a la Pharah là-haut. Oh là là, qui fait son ulti à l'autre bout du monde. On sait pas trop pourquoi, alors qu'elle était toute seule aussi. Hop. Ok, alors vous l'aurez compris, je suis particulièrement mauvais avec Tracer. Mais ça se passe pour l'instant. Allez, bah ça, mais il ne bouge même pas. Je leur tire dessus, ils essaient même pas d'esquiver mes balles. Mais les gars, vous avez pas de soigneur, essayez au moins d'éviter de prendre des dégâts un peu. Cette game s'annonce particulièrement compliquée, hein. Vivement qu'on passe à la suivante. Ok, les amis, nous sommes partis sur une nouvelle game. J'ai les oreilles qui explosent. Il y a un mec en vocal, je sais pas, il écoute de la musique, j'arrive même pas à savoir ce que c'est. Allez, visiblement, ils ont besoin d'un tank dans cette game. On va varier un petit peu les rôles dans cette vidéo. On va tenter le rôle de tank. On va supporter notre équipe. C'est parti, suivez-moi. Je suis un très très bon Reinhardt, vous êtes très nombreux à le savoir. Pas du tout, absolument pas. On va foncer et se débarrasser, oh là là, de l'équipe d'en face. Alors visiblement, là, un bon nombre de tourelles. Je crois que tous mes alliés sont déjà morts, je sais pas trop ce qui s'est passé. Ils ont pas réussi à sortir du spawn. On va attendre un petit peu que le Zenyatta se réveille et décide de nous soigner. Bonjour. Tu es le soigneur dans cette game. Pourrais-tu peut-être... Ah, merci, ça fait plaisir, me soigner. C'est bon, il s'est réveillé. Il y a un petit Genji qui saute dans tous les sens. J'ai l'impression qu'il empêche les joueurs de sortir du spawn. Il va vite se barrer, merci. Pas possible ça. Et la partie est annulé, encore un joueur qui vient de partir. Je ne sais pas si on peut vraiment jouer en bronze sans qu'il y ait des joueurs qui quittent les équipes. J'ai l'impression que c'est une sorte de maladie globale. Eh bien, nous sommes partis pour, du coup, une troisième game. On va tenter de jouer Ange cette fois-ci. Visiblement, ils avaient besoin d'un soigneur dans cette équipe. Ça va être notre rôle de les sauver dans cette situation très compliquée qu'est une ranked en bronze. Et nous sommes partis. Bon, alors visiblement, ils ont décidé de se battre au niveau du spawn adverse. Je vous avoue que j'ai des doutes sur cette méthode pour remporter la partie. Ça se passe plutôt mal, hein, pour l'instant. Bon, alors je vous avoue que tenter de jouer Ange sur une game où tout le monde était éparpillé, ils étaient vraiment éparpillés, personne n'était groupé avec personne. Alors le pauvre petit Zenyatta là-bas est en train d'affronter... Il s'est jeté dans le vide, mais il était...
J'étais en train de venir le sauver, il s'est jeté dans le vide. Alors hop là, allez, on ressuscite tout le monde. Allez les gars, on se bouge un peu là, on peut le faire. Allez, on peut le faire, vas-y Bastion. Allez, tire, tire, vas-y mon gars, tire. Yes, toi aussi, tire, 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 vas-y, 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 vas-y. Oui, c'est un massacre. C'est un massacre les amis, oh là là. Ça y est, l'équipe se réveille. Feu. Feu. Feu, oui. On a réussi, on a défendu le convoi. Bon, maintenant va falloir tenir pendant 4 minutes hein, mais... Mon gars, il y a une Phara. Faut que tu lui tires dessus, arrête de bouger mec. Tire sur la Phara, où est-ce que tu vas? Je sais pas, il est parti se cacher. Hop, 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 hop. Allez, feu! Allez, vas-y! Oui! Oui! C'est un massacre! Oh, Bastion, tu peux le faire! Oh, elle est venue poser son ulti juste à côté de nous. Et le Bastion, il s'en fout, hein. Il a pas bougé. Rien à faire. J'ai cru que j'allais avoir le temps de mettre mon res avant que le Ronzo tire sa flèche. Regardez-moi ça, regardez-moi le nombre de secondes qu'il a pris avant de la lâcher. Alors que j'étais immobile! J'étais immobile. Mais bien joué, bien joué. Ils ont réussi à défendre du coup ce petit convoi. Alors je ne sais pas ce qu'est le plan de cette Symmetra. Elle a visiblement décidé de réparer le mur. Ah, c'est incroyable. L'équipe d'en face fait tellement peu de dégâts que j'arrive à sauver ma fatale contre trois contre trois adversaires coincés dans une même pièce quoi. Allez, boum. On va voir si on peut. Oh, on va faire un petit massacre. La hanche de combat. C'est la hanche de combat, les amis. Elle nettoie le point. Elle nettoie le point. Oui, oui. C'est le res. Ça y est. La hanche de combat. De combat aura vaincu, les amis. On a réussi à éliminer toute l'équipe d'en face. Juste avec notre ult. Non, mais toi, là. Tu t'es cru où? Allez, hop. Voilà, bon débarras. Ah, y a pas assez de dégâts dans l'équipe. Hein. Il faut bien s'en charger un petit peu par nous-mêmes. Hein. Allez, malgré notre incroyable action, l'équipe d'en face progresse. Il faut sauver ce pauvre petit Bastion. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Il a un PV. Depuis tout à l'heure, il a un PV. Vite. Ok. Je l'ai ressuscité au dernier moment. Mais je pense que, avec toutes les outils qu'ils viennent de mettre en face, ça ne va pas suffire, à mon avis. Bah écoutez, bien joué. Hein. Rien à redire sur l'équipe d'en face. Ils ont joué groupé systématiquement. Le Winston qui sautait, qui était suivi par ses alliés. Là, pour le coup, vous voyez, j'ai été globalement impressionné. Alors le niveau de jeu est pas incroyable, mais je trouve que l'équipe d'en face s'en est très très bien sortie. Et écoutez, regardez-moi ça, l'entrecomposition a beau être un petit peu exotique, elle est pour le coup équilibrée. Comme quoi, en fait, j'ai l'impression pour l'instant que finalement les games bronze, c'est particulièrement aléatoire. Vous allez tomber sur une game ultra cancéreuse, et derrière, vous allez rebondir sur une game assez classique. On va voir ce qu'on peut faire avec notre petite Doomfist, ça fait très longtemps que je l'ai pas joué. La petite ange là, et boum! Oups. Elle est en train de fuir. Non mais reviens. Et reviens. Mais abandonne pas ton équipe comme ça, toi! Mais c'est... Mais qu'est-ce que tu fais, soldat? Retournez tout de suite là où vous devez jouer. Ah, bonjour. Ça va? Bonjour. Je crois qu'on va rester ici. Puis à chaque fois qu'ils ressuscitent, on va les attendre. Bonjour! Ok, on attend le suivant. Oh non! C'est une Phara! Elle triche! Ah ouais, non mais tu triches toi. Tu voles. Comment je fais pour te toucher du coup? Ah bah bravo. Ah bah bravo, ils ont déjoué ma stratégie. Ah, mon timing était pas mal pourtant. Bon, on a pris le point, ça a fonctionné. Voilà. Morale de l'histoire, si vous jouez Doomfist en bronze, vous vous cachez derrière un mur et vous attendez que vos alliés passent. Voilà. Visiblement, cette technique fonctionne. Bonjour. Ah, il fallait esquiver, hein, idéalement. Et vous voyez, là, on a quand même une belle équipe, regardez-moi ça. Ils sont sur le convoi. Le Reinhardt qui protège les gens derrière avec son bouclier. C'est pas mal, ça. Ah, donc on a donc Jojo Boy qui vient de s'asseoir derrière l'équipe adverse. Il est toujours là-bas, regardez. Ah, mais d'accord, il avait confiance en nous et il nous laissait faire. C'est ça. Ok, ça se passe plutôt bien. Oh là 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 là, les amis. C'est le massacre. C'est le massacre pour l'instant. Nous sommes sur le point de poser. Oh, tandis que Chacal ressuscite juste derrière. La Ange qui a le temps, on ne sait par quel miracle, de faire un raise. Alors qu'elle était immobile pendant 3 secondes devant les DPS. Et c'est une belle défense de la part de l'équipe d'en face. Pourtant, j'avais fait 3 kills, mais c'est pas grave. Bonjour, la petite bébé diva. Voilà. Et il reste donc le Winston hein, qui est tout seul. Regardez-moi ça, il défend le point à la perfection. Excuse-moi, ma petite ange. Ah non, mais elle avait été sur le chemin. Hein. J'ai pas fait exprès. Hein. Boum!
Succès ! Le Doomfist qui permet de poser le point, hein. On avait quand même une équipe assez particulière, avec une Tracer qui faisait pas grand chose, et une Mei, côté DPS, je vous avoue que ça laissait un peu à désirer dans notre équipe, mais c'est un succès, on a quand même réussi à poser. Ah ! Je crois que j'avais parlé un petit peu trop vite précédemment dans la vidéo. Je vous avais dit que les games n'étaient pas cancéreuses. Pas toutes. Bah, on a quand même un mec qui vient de partir là. Bon, je sais pas ce que ça va donner. Allez, tout dépend de moi les amis, je suis à fond. Je veux faire gagner au moins une game à ces 4 joueurs bronze qui sont avec moi. Oh là 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 là. Oh là là. Oh, ça prend beaucoup de dégâts en face. Mais c'est magnifique! La défense ultime a fonctionné. Alors... Bonjour! Ah, visiblement ils sont là. Hein. Salut Lucio! Bonjour Chopper! Bonjour soldat! Oh! Il m'a tué! Il m'a tué! Ils vont prendre le point! Attention! Il faut qu'on revienne! J'ai mon super canon! Oh là là! 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 Boum! Boum! Ouh! Ouh! C'est du 5 contre 6! On a réussi! Bravo! GG! GG mon équipe, une très belle équipe les amis! Il ne faut pas perdre espoir, même en bronze, vous voyez ça! Écoutez, waouh, GG, le mec il est impressionné. C'est la meilleure game de toute sa vie. Ah, on va quand même revoir notre magnifique play of the game de Ange du combat. Piou, piou! Piou, 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 piou. Ah là, ils étaient désespérés. Alors là, c'était assez terrible. Hein. Un petit pistolet comme ça, là, ils savaient plus quoi faire. Voilà. Puis les deux petits Rez hein, qui assurent au moins d'avoir le play of the game, même si les 3 kills d'avant n'avaient pas suffi. Écoutez, c'était une belle game. Hein. Moi, je me suis bien amusé. Donc, en tout cas, je compatis avec vous qui jouez en bronze. Je comprends un petit peu mieux ce qui se passe dans ce rang. Je vous avoue que c'est pas simple. C'est sûr que si vous alliez quitte à la moindre défaite, bah forcément, ça devient un peu plus compliqué tout de suite derrière pour progresser dans ce rang. Mais écoutez, je suis quand même assez rassuré parce que je vois qu'il y a des très bons joueurs. Il y a un petit peu de communication aussi, hein, malgré certains mecs qui activent leur audio pour nous partager leur musique. Donc, il y a quand même des gens qui veulent s'en sortir en bronze. Donc, n'abandonnez pas si c'est mon petit conseil pour vous qui être peut-être bloqué sur un rang un peu plus faible. N'abandonnez pas, persévérez, il y a toujours moyen d'y arriver. Essayez un petit peu de communiquer avec vos alliés, essayez de rattraper les choix un peu douteux de temps en temps de vos alliés, même si vous voyez ça, ça ne veut rien dire. Par exemple, bah, j'ai pris du Bastion, alors je sais à peu près bien jouer au jeu, vous voyez, mais j'ai pris du Bastion, j'ai pris du Doomfist, des trucs qu'on voit pas forcément souvent, et pourtant ça fonctionne. Donc croyez en eux, croyez aussi en vous, et peut-être que vous arriverez à quitter ce rang de bronze. Écoutez, moi, j'ai pas besoin de me prendre la tête avec ça, je retourne en Master, et d'ici la prochaine vidéo, eh bien, portez-vous bien, ciao tout le monde.